Ce citoyen qui roule en mobylette, c'est mon ami Matou. Son vrai nom, c'est Georges Matouzek, mais les collègues et moi, on l'appelle Matou. Ça fait 10 ans qu'il travaille à la Bibliothèque nationale, 10 ans qu'il salue le gardien Dubois qui attend sa retraite sans se fouler, Madame Henriot qui court toujours pour avoir l'air occupé, le père de l'oncle, notre conservateur en chef qui règne sur nos vieux bouquins. Ici, à la bibliothèque, on sait vivre. Hein. Pas de potin, pas de vitesse, pas d'excès. On pourrait même y dormir tranquille si on voulait. Moi, je suis là, assis là. J'attends Matou. Vers 11 h, on commence la journée. Pas de bousculade, hein. Matou aime le calme. C'est un savant. Mais un savant très spécial. Il connaît à fond l'art de restaurer les manuscrits défraîchis, dont l'encre s'est effacée, dont la lecture serait impossible sans son intervention. Il est capable d'imiter n'importe quelle écriture, même celle d'Henri IV ou de Napoléon. Il fait ça en un tour de main, un petit essai, et hop, c'est emballé. Un petit jet de sable, et hop, c'est épongé. Un petit séchage, et hop, c'est fignolé. Sacré Rabelais, il écrivait comme un cochon. Il n'était pas médecin pour rien. Le soir, quand il rentre chez lui, il donne plutôt dans le bourdon, dans le cafard. Je me mets à sa place, je sais ce qu'il attend, c'est sa femme. Une femme pareille, rien que d'y penser, j'en deviens neurasthénique. Pauvre vieux Matou. Chut, vissé devant la télé, elle éponge les programmes. Peut plus causer, peut plus cuisiner. Plat surgelé, conserve, silence. Oh, c'est pas folichon, même pour un savant. Chérie, je pourrais avoir un petit peu de citron? Chut! Chérie, je voudrais te raconter ce qui... Matou en a marre, plus que marre, archi marre. Il voudrait divorcer, connaître un bonheur comme celui dont il est chaque jour témoin dans l'appartement d'en face. On s'aime là-bas. 100 fois, 1000 fois, Matou a soulevé le problème du divorce. Françoise a dit non. Et elle dira toujours non. Françoise? Françoise? Divorcer jamais. Pour me retrouver seule dans la vie, qu'est-ce que je ferais? Mais tu te remarierais, voyons. Oh, tu crois qu'on trouve comme ça un homme qui a une situation convenable? Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Tu trouveras un mari qui ait tes goûts. Mes goûts? Comment je ferais? Et puis tu sais ce que ça coûte, un divorce? Mais nous avons des économies. Je ne toucherai pas à mon livret de caisse d'épargne. Ce jour-là, un collègue se marie. Je suis là, avec Matou, on est témoin. Si vous voulez bien signer le registre. Oh! Oh! Il faut remettre la cérémonie. Je ne peux pas procéder à un mariage avec un registre illisible. Je vais vous arranger ça. Vite! 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 Mais vous êtes un faussaire de génie. Oh, madame, un faussaire de l'État. Mais vous seriez capable de falsifier tous nos registres d'État civil. Mon Dieu, oui. Mais quel intérêt? Bonsoir, chérie. Chut. Chérie, je voudrais te raconter. Thank you.
perdu 50 grammes. Félicitations. Ça te fait plaisir? Beaucoup. Je voudrais... Je dors. Françoise, tu serais heureuse avec un homme qui te laisserait dormir. Hein? Hé! Oh! Que dirais-tu d'un homme qui se tairait toujours, qui adorerait la télévision, qui n'aurait pas de tempérament? Ça serait le rêve. Et si en plus il avait une bonne situation, des économies, une solide retraite en perspective? Le vrai rêve. Mais je ne connais personne d'aussi bien. Et si je te le trouvais? Il faudrait que je divorce avant. Je ne le veux pas, tu le sais bien. Bon. Eh bien, je vais te trouver un homme comme ça et je vais te remarier avec lui immédiatement. Tu vas me remarier? Sans que tu aies à divorcer. Et la même chose pour moi, je vais me trouver une gentille petite femme adorable et un petit peu coquine. Tu vas trouver en même temps un nouveau mari pour moi et une nouvelle femme pour toi, tu rêves? Non, je ne rêve pas. Tu es d'accord sur le principe? D'accord. Bon. Eh bien, fais-moi confiance. Monsieur. On me dit que vous voulez échanger votre femme. Je ne vois pas contre quoi. Contre notre femme, bien entendu. Et votre femme est d'accord? Mais bien sûr, puisqu'elle m'échange contre notre mari. Peut-être, mais cette annonce est extravagante. Mais pourquoi? On divorce tous les jours en France. Ça veut bien dire qu'on change de mari et de femme, non? Et bien sûr, mais on ne divorce pas par petites annonces. Mais parce que nous sommes tous des arriérés, voilà tout. Moi, j'ai envie de changer de femme. Je passe une annonce. Ma femme a envie de changer de mari. Elle fait comme moi. Ma méthode est rapide, moderne. Maintenant, si ça vous dépasse... Ça ne me dépasse pas du tout. J'ai des idées très jeunes. Mademoiselle, je m'occupe personnellement de monsieur. Merci beaucoup. Alors, si nous mettions couple légitime, cherche autre couple légitime pour échange conjoint. Marie, ayant bonne situation, des économies, un caractère très gai, très bavard, ayant horreur télévision... Ah. Marie, belle situation, économie, gay, bavard, horreur télévision. C'est ça, Marie, etc., etc. Cherche femme mariée, ayant même caractère que lui. Hein? Et propose en échange, épouse calme, froide, aimant passionnément la télévision et désirant Marie, même goût qu'elle. Au fond, c'est simple et pratique. Mais je vous l'avais dit. Ah, attention, bien précisé, échange absolument légal, sans délai ni frais. Sans frais? Aucun. C'est très intéressant. Ah, si ma femme vous intéresse... Non, merci, vous êtes trop gentil. Je chercherais plutôt le genre intellectuel. Ah, tant pis. Alors, que les candidats se présentent à la tour de Notre-Dame, tour côté Seine. Oui. Samedi à 18h. Je ferai un saut pour voir ce que ça donne, on ne sait jamais. Voilà, c'est entendu. Un samedi. Un samedi. Ah, monsieur, il faut un signe de ralliement pour que les candidats se reconnaissent. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Que diriez-vous d'une fleur à la boutonnière? Une marguerite, c'est la saison. Parfait. À samedi. Votre nom sera bien placé. Ah, ben alors ça. Entrez. Chef, il se baladait tout nu à la belle jardinière. Au rayon de la droguerie, vous vous rendez compte, chef? Tenez, lisez ça, c'est plus important. Je comprends qu'on se promène tout nu, mais pourquoi au rayon de la droguerie? J'aime les ménagères, commissaire. Moi, ce qui m'excite, c'est la femme qui cire son parquet. Ça a quelque chose d'érotique. La cire d'entretien et la femme. Bon, eh ben tu passeras les parquets de mon bureau à la cire. En attendant, ben, va te reposer, bonhomme. Hé, papin, ménagez-le, c'est peut-être une huile surmenée. Encore des dingues, hein? Oui, ça peut être des fous, ça peut aussi être un canular. Et puis, ça peut dissimuler quelque chose d'énorme. Ça sentirait le vice. Pas. Couple échange conjoint. Prostitution par couple, non? Occupez-vous de ça, le loup. Je prends l'affaire en main, chef. Vous inquiétez pas. Papin, lis ça, c'est le patron. Allez, à la bouffe. Tu viens bouffer? Bah tiens. Tu veux l'aile ou la cuisse? Le pigeon entier, non? Ah, ben alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut aller au ravitaillement. Amène tes raides. Il y en a un bon là-bas à droite. Petit, 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 petit. Oh, Dieu, personnage.
Vous mangez des pigeons, des créatures du bon Dieu. Ordre du préfet, faut les faire disparaître. Mesure prophylactique. Dis donc, il est complètement cinglé, le type qui a fait passer cette annonce. On va pas prendre ça au sérieux. Le patron et moi, on pense que c'est un gros coup, on y sera. Tour de Notre-Dame, samedi 18h30, bof. Prévois un panier à salade. Oui. Pardon. Ah, c'est vous qui avez passé l'annonce. Non, non, je suis là en simple curieux. Ah, en curieux, c'est ça. Alors voyez mon ami là-bas, c'est lui qui traite l'affaire. Ah bon? Bonjour, monsieur. Ne bouge pas, ne grille pas, allez, viens. Mais je n'ai rien fait. Allez, allez, plonge-toi avec les autres. C'est vous qui avez fait passer l'annonce? Non, c'est mon ami là-bas. Oui. Vous avez lu ma petite annonce? Ah, c'est vous l'annonceur. Oh, enchanté de vous connaître. Il n'y a que vous? Oui, j'ai vu personne d'autre. Tenez, venez, on va aller par là, on sera mieux pour causer. Oh là, oh là, silence dans le rang. Oh là. Plein. Ça, alors là, protection. Qu'est-ce que c'est? Je prends du pique-nique, probablement. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Matouzek, fonctionnaire à la Bibliothèque Nationale. Ah, Loulou, fonctionnaire, fonctionnaire. Oui, situation stable, je vois, ça a l'air satisfaisant. Oh, satisfaisant, vous pensez, surtout, avec les primes de risque. Primes de risque? Ah, mais alors ça ne va pas, ma femme veut un homme à la vie tranquille. Elle a horreur des émotions. Oui, non, je sais, j'ai lu votre annonce. Non, je veux dire comme ça, je suis assuré contre tous les risques. Mais dites-moi, de quel risque parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Je travaille au ministère de l'Intérieur. Ah. À l'intérieur, pensez, je suis à l'abri de tout danger. C'est ma femme qui sera ravie. Non, je le dis, je suis tout à fait votre homme. J'adore la télé, je cause à peine. Question... Oh non, non, très peu exigeant. Ah oui, très très important. Oui. Mais votre femme... Ah, tout à fait ce que vous désirez. Des marguerites. Allez, au trou. Allez, comme les autres. Oh. Chef, et votre femme a tout de suite été d'accord? Ah, tout de suite, tout de suite. C'est drôle parce que la mienne, j'ai mis plusieurs années à la convaincre. Bon, allez, on passe à l'action, hein? Alors, comment est-ce que vous goupillez votre petit bazar? Eh bien, mon système est infaillible, légal, sans délai, sans frais, ni vu ni connu. Ah, et vous faites comment? Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux qu'on se présente d'abord nos femmes? Oui, oui, le plus tôt me paraît le mieux. Allons-y, si ça ne vous dérange pas. Ah, mais au contraire, ça m'arrange. Vous avez bien compris. Oui, vous m'avez tout inscrit sur le papier, là, tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire. Ne vous trompez pas, hein, sans ça, ça ferait tout rater. Je suis pas idiot. Bon, alors vous faites comme moi, hein. Moi, d'habitude, quand je rentre, je siffle, hein. Bon. Bonsoir, monsieur Galoupé. Bonsoir, chérie. Vous voyez, elle n'est pas très bavarde. Oui, on m'entend mieux. Potage en sachet, conserve. Ouais, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour cuisiner. Mais quel calme. Ça pour le calme. Oh, vous permettez? Ça vous tente.
Ah oui, c'est l'inspecteur Leclerc, un collègue. Un collègue ? Oui, c'est un fonctionnaire comme moi. Ah. J'ai perdu 25 grammes. Félicitations. Je suis content que je maigrisse. Beaucoup. Bonne nuit, Matou. Bonne nuit, Françoise. Françoise ! Françoise, regarde ! Regarde qui est là, dans le lit. Qui est-ce ? Ton nouveau mari. Bonjour, madame. Je vais t'expliquer. Voilà. Je suis sûre que vous êtes un homme très bien. Enfin, il faut qu'on se connaisse mieux, que je vois votre appartement. Oui, enfin, mon appartement est impeccable. Vous savez, il n'y a pas un brin de poussière. Tout est ciré. Et d'ailleurs, on entre dans la salle à manger que dans les grandes occasions, et encore sur des patins. Oh, des patins, c'est des patins. Il n'en a jamais voulu, lui. Alors, mon idée était bonne, non ? C'est un progrès. Il faut marcher avec son temps. Bon, allez. Au revoir, Maurice. À bientôt. Au revoir, Françoise. Vous avez fait très bonne impression. Félicitations. Oui. Alors, au revoir, monsieur. Appelez-moi Matou. Au revoir, monsieur Matou. Ah, et au fait, oui. Et votre femme, il faut que nous fassions connaissance. Oui, bah maintenant. Mais pas maintenant, maintenant il est trop tard. Demain. Demain, c'est ça, demain. Voilà, alors à demain. Alors à demain. À 10h ? À 10h. À 10h. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi d'abord comment tu comptes faire. Eh bien voilà, j'ai trouvé un moyen merveilleux, un moyen suggestif. Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais en pyjama ? T'occupe pas. Martine ? Martine ? Celle que tu vois, je suis sur le coup le plus fumant de toute ma carrière. Tu vas enfin me donner l'occasion de montrer ma vraie valeur. Tu réussiras. Apéritif. Tout de suite. Et cigare aussi. Oui. Et puis un cendrier. Figure-toi que ce matin, je tombe sur une annonce dans un journal absolument ahurissante. Immédiatement, j'en parle au chef, qui est frappé de ma perspicacité. Tu penses, j'avais tout de suite flairé un gros coup chez les truands. Tu as flairé ça, toi ? Figure-toi. Alors, aussi sec, je dis au chef, chef, je prends l'affaire en main. Il me dit, d'accord, allez-y, le loup, foncez. Et j'ai foncé. Dis donc. Seulement pour l'instant, le client est ferré, mais pour le coincer, je vais avoir besoin de toi. De moi ? Oui. Demain matin, tu feras exactement ce que je te dirai. Qu'est-ce qu'il fait ? Il avait dit 10 heures. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame Leloup. Bonjour madame Martin. Drôle de temps, hein ? Drôle de temps. Tiens, voilà. Alors tu as compris, hein ? Comme dans l'annonce, tu es gay, bavard, voluptueuse, il te plaît aussi sec, crack-toc, faut pas que ça traîne. Mais je ne peux quand même pas me jeter dans ses bras, Maurice. Fais ce que je te dis, là, et ris, bon Dieu ! Allez, ris, nom de Dieu ! Monsieur ? À tout sec ? Madame, madame, j'ai pensé que c'est quelques fleurs. C'est vraiment gentil. Il y a si longtemps qu'on ne m'a plus offert de fleurs. Vous avez une très jolie robe. Je l'ai faite moi-même. Mais vous êtes adorable. Alors, Matou ? Elle vous botte ? C'est à madame de parler la première. Oui. Alors, il te plaît ? Vous lui plaisez ? Oui, c'est vrai, beaucoup. Hein ? Et vous, Matou ? Oui, vraiment, Maurice. Je suis comblé. Eh ben alors, c'est parfait. Marché conclu, emballé. Dites-moi, comment est-ce que vous comptez procéder ? Eh bien, c'est très simple. Françoise va venir jeter un petit coup d'œil sur votre appartement. Peut-être sûr qu'elle lui plaise, n'est-ce pas ? Et la même chose pour Martine. Elle jettera un petit coup d'œil sur mon intérieur. Nous devons les rendre heureuses, n'est-ce pas, Maurice ? Oui, mais dites-moi, ça va être très long, tout ça, vous avez dit, sans délai. Pour la régularisation, sans délai ni frais. Mais laissons à nos épouses le temps de s'habituer. C'est fragile, une femme, Maurice. C'est sensible. Bon, alors, vous préviendrez quand ça sera OK ? Oui, je vous téléphonerai. Bah, faites vite, hein. Alors, tu l'as pigeonné, Matou ? Il croit que je marche dans sa combine. Tu vas attraper des galons, dis. Mais ça sent encore le pigeon rôti ici. Oui, chef, toujours ces odeurs qui montent des cuisines. Alors, Leloup, cette affaire Matouzek. Ah, oh, bah ça y est, c'est dans le sac.
Ça sent le citron maintenant. Le loup a possédé le client, chef. Ah, bien travaillé, le loup. Vous aurez vos galons, mon bonhomme. C'est vrai, hein. Je les aurais pas volés, hein. Mais ne vous emballez pas, hein. On ne sait pas ce que tout ça nous réserve. Oh, chef, aussitôt qu'il me contacte, hop, je la grippe. Oh, prévenez-nous quand même. On arrivera en renfort, hein. Oui, chef, d'accord. Non. 4 jours. 4 jours qu'il est venu, il n'a pas téléphoné. Tu es sûr que c'est un truand? Oh, innocente. Merveilleux. Tout est arrangé, Françoise est d'accord. Mais vous deviez téléphoner. J'ai voulu vous faire la surprise, c'est pour tout de suite. Ah, mais c'est que moi je suis pas prêt, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous n'avez rien à faire, donnez-moi vos papiers, c'est tout. Papiers, pour quoi faire? Mais pour les mettre en règle. J'y vais tout de suite. Les papiers. Ah, très fort. Hein, oui, vite, très vite, vite, vite. Je donne tous nos papiers à monsieur Matouzek. Non, tu es folle. Oui, donne-lui, va. Livret de famille, certificat prénuptial, vos pièces d'état civil, enfin tous les papiers qui concernent votre union. Bon. Je reviens dès que c'est fini. Non, je vous accompagne. Non, mon vieux, il y a un petit risque, je ne veux pas vous compromettre. Mais ça fait rien, je cours le risque. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, l'idée de moi, le risque est pour moi. J'ai tout mis dans l'enveloppe. Merci. Bon, criez pour que ça marche bien. Vite, mon manteau, je le file. Je préviens la brigade qui est arrivée à l'improviste, qu'ils envoient du renfort. Mais où ça? N'importe où, qui se démerde. Ne l'abîme pas trop en l'arrêtant. J'ai les papiers flamands. Vous n'avez pas peur? C'est un honneur de travailler pour un précurseur. Bon, allez, en route. Et que Dieu nous garde. Police, suivez cette voiture. Vite, vite! D'accord, patron, mais j'ai un client derrière. N'ayez pas peur, monsieur Simple chasse à l'homme. Je préfère descendre. Allons, merci. Salut, chez moi. Rupouille. Circulez. Au taxi. Au taxi. Il en prendra un autre. Il y a une station en face. On commence par quelle mairie? Celle du 15e, c'est là où je me suis marié. Ensuite, Juvisy, où s'est marié le loup. Puis pour terminer, Rouen, Beauvais, les Essarts et Pantin, pour les actes de naissance. Les actes de naissance? Vous savez bien que le mariage est toujours consigné dans les actes de naissance. Ah non, j'ignorais. Moi, je suis célibataire. Ça a fait du chemin, tout ça? Ben oui, 400 bornes. Mais j'ai étudié un itinéraire. Garde l'Est en vitesse. Je suis pas libre. Garde l'Est ou j'appelle un agent. Je suis pas libre. Allez, allez. La gare de l'Est. Tu vas voir si elle se balade, la gare de l'Est. Monsieur l'agent. Police, inspecteur Leloup, débarrassez-moi de cet emmerdeur. Monsieur l'agent, ce chauffeur me mène en bateau depuis un quart d'heure. Allez, enlevez-moi cet animal. Vous avez votre carte, monsieur l'inspecteur? Ma carte. Bien sûr que j'aurai. Je n'ai jamais vu un inspecteur sans sa carte. Hein. Nom de Dieu! Il file avec mes papiers, ma femme lui a donné ma carte. Imbécile! Outrage à l'agent! Mais non pas vous, imbécile! Allez, au commissariat! Cassez! De suite au commissariat! Il y a 10 ans, je sortais de cette mairie avec Françoise. Elle avait un petit tailleur blanc, des souliers blancs. On souriait à la vie. Allons, allons, reprenez-vous, voyons. Si ces messieurs de la préfecture de police veulent bien me suivre... Nous poursuivons des recherches sur un malfaiteur qui se serait marié dans cette mairie en 1956. Et nous devons consulter les registres de cette année-là. Aïe, 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 encore une crapule qui figure sur nos beaux registres. Oh, pardon. Elle est bien imitée. Oui, ils ne s'en aperçoivent même pas. Nous y voilà, 1956. Foutez-moi le camp, laissez-moi travailler! Qui est-ce? Encore un généalogiste. Il fait des recherches dans nos registres pour une famille noble qui a perdu sa particule à la Révolution. Et on ne l'a pas retrouvée. La particule, j'en sais rien. Pas le temps de m'occuper de tout ça. Il y en a tellement de ces types qui viennent fouiller dans nos papiers. C'est de salés libres. Nous y serons très tranquilles. Flamand, venez voir. Regardez comme Monsieur Leloup était mince quand il était jeune. Oh, on dirait un danseur de tango comme dans les films de 1930. Brave Leloup, il m'est bien sympathique. Ah non, mais vous avez pas lu.
Votre Loulou, il est de la brigade des us et coutumes, un flic de choc. Il va nous arrêter. Mais non, ce sera déjà fait. Il m'a caché sa profession par peur que je refuse de l'aider. Brave Loulou. Timide, honnête, c'est toujours pareil. Filons, ça doit être truffé de flics par ici. Oh pardon, vous avez trouvé? Oui, oui. Vous voulez un petit cigare, hein? Ah, on se soigne à la sûreté. Je vais aller te fumer aux toilettes. C'est ça. Le séchage rend bien. Et voilà, je ne suis plus marié avec Françoise. Du calme, Flamand, vous faites des courants d'air. Allons, c'est fini. Si le loup m'a remis sa carte de police, c'est qu'il a confiance en moi. C'est un piège, je vous dis. C'est une ruse. Laissez-moi. Maintenant, je me marie. Avec Martine... Bonin, épouse le loup. Martine Bonin. Non, 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 ah, mais non, ah, mais non, ah, mais non, non, non. Oh. Oh. Alors, on s'amuse? Vous avez fini? Oui. Fallait le temps que ça sèche. Alors, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement? Remise à jour du fichier matrimonial. Ah. Eh bien, merci. Au revoir, monsieur. Et à la prochaine. C'est ça. Bravo. Bravo. À l'avenir, ne perdez plus la tête, Flamand. L'inspecteur Leloup est mon ami. C'est un excellent homme, je vous assure. Mes galons! Mon avancement! Je te ferai casser! Comme ça! Tu m'as fait rater le plus beau coup de ma carrière! Oh, bah, faut lui la paix, le loup, rien n'est perdu, allez, filons chez ma toile! Mais je sais ce que j'ai à faire, allons! Ah non, on ne reçoit pas des représentants dans l'immeuble! Ah oui? Même les représentants de ça? Quoi, ça, ça. Et lui, il a sa carte? Non, il l'a pas, lui. Alors c'est pas régulier? Oui, mais moi je l'ai. Je vais pas lui répondre qu'il sort! Non! Monsieur et madame Matouzek. Troisième étage. Oui, ça on le sait. D'ailleurs, ils sont pas là. Parle-nous un peu des... Des gens très bien, des gens de maison. Rien de suspect. On va te délier la langue. Eh ben avec ça, je vais m'acheter un Havan. Oui, au revoir, monsieur. C'est pas le bariole. Quoi? Alors? Bah alors, avec ça, je vais m'acheter deux Havan. Y'a rien à en tirer, hein? Bah, tout ça que l'a acheté le salaud. Bon, allez, tu nous as pas vus, hein? Eh ben, avec tout ça, je vais m'acheter une boîte de Havan. Il est fort, le Matouzek. T'avais qu'à pas lui donner tes papiers. Quand on veut acheter les gens, on les achète avec son propre argent et pas avec l'argent du copain. Idiot! Idiot, idiot, idiot. Tu lui as donné ma carte de police. Tous mes papiers, il a filé avec sa femme. Ils sont là tous les deux? Ils sont là. Ici? Sous mon toit? Dans la gueule du loup? De la sauce. Petit champignon. Coincé, Matou. Je me rends. Sacré Maurice! Allez, ça y est, tous les papiers sont en règle. Les papiers, mais... Où avez-vous eu ces faux papiers? Mais c'est les nôtres, Maurice. Regarde, la petite tasse de café que j'ai faite un jour, elle est encore là. Vous voyez, parfaitement authentique. Aussi authentique que ça. Ma carte de police. Oh, chut! Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez de la police, Maurice? Je suis un ami maintenant, presque un parent. Oui, oh, la timidité, vous savez, c'est... Je m'en suis toujours douté, hein. Cet échange gênait votre conscience de policier. Oui, dites... Vous pouvez bien me l'avouer maintenant, pour ça, comment vous avez fait? Vous avez été où? Une indiscrétion est si vite commise, je préfère me taire. Sans rancune, hein, Maurice? Oui, oui, sans rancune. Alors, Martine, allez préparer votre petite valise. Il est temps de prendre congé. Elle, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Martine et moi, nous sommes mariés.
N'est-ce pas? Petit champignon. Votre nouvelle femme est déjà installée. Tournez le tout. Moi, j'emmène la mienne à la maison. Ah, mais... Vous ne voulez pas garder les deux, tout de même? Oui. Bon, viens, Martine, on va préparer ta petite valise. Hein? Elle déménage en par petites étapes. Oui. Vous savez comment sont les concierges, hein? Il ne faut pas les bousculer. Oui, oui. Allez, hop. Mais tu ne vas pas m'envoyer chez cet homme. Prends tes affaires. Il refuse de parler. Tire-lui les vers du nez. Cuisine-le. Le cuisiner? Bah oui, fouille son appartement, c'est un faussaire. Il doit travailler pour un gang, à toi de le prouver. On se verra demain matin. Allez, une chemise de nuit surtout. Bonne nuit, Maurice. Faudrait fermer la fenêtre, il y a un courant d'air. Oh, bonsoir monsieur, bonsoir madame Leloup. Madame Martin. Bonsoir madame Martin. Bonsoir madame Leloup. Bon mois de septembre. Hein. Oui, espérons que ça va durer. Oh oui. Alors, je change de femme, la voisine, ça n'aperçoit même pas. C'est bien ainsi que je l'entends, Maurice. Une femme comme il faut ressemble à n'importe quelle femme comme il faut. Bah, quand même. Bon, allez. Parlez-moi un peu de Matou. Chut. Allez, depuis quand est-ce qu'il bricole les livrets de mariage? Oh, chut. Je n'aurais jamais cru que vous étiez comme ça. C'est une surprise désagréable. Non. Non. Ce matin encore, j'étais mariée avec Maurice. Et alors, c'est du passé. Et si le passé laissait des traces? Des traces? Vous voulez dire un petit Leloup en route? Mais je n'y vois pas d'inconvénient, j'adore les enfants. Soyez gentil, Matou. Enfin, nous ne nous connaissons pas encore. Donnez-moi le temps de m'habituer. Attendons. Je vous en prie. Bon, je vais prendre quelque chose pour me calmer. J'en voudrais bien un aussi pour moi. J'ai perdu 80 grammes. Mais moi, où je couche? J'ai toujours dormi seule dans mon lit. Bonsoir. Entrez. Ah, c'est vous, le loup. Mais asseyez-vous, mon bonhomme. Lastac, notre expert en faux, et le loup, inspecteur. C'est lui le cobaye. Je m'incline devant votre abnégation, inspecteur. Oh, ben c'est tout naturel. Enfin, ce Matouzek vous a tout de même barboté votre femme. Pour la frime. Le loup. Ne parlez pas trop vite. Comment ça, chef? Inspecteur le loup, j'ai examiné votre livret de famille, vos différentes pièces d'identité. On n'y distingue aucune trace de maquillage. Ah! Et ce n'est pas tout, mon pauvre le loup. Je suis allé dans les mairies comparer ces pièces avec les actes originaux. Les registres de naissance et les registres de mariage. Et ça correspond? Parfaitement. Ce Matouzek a également falsifié les registres d'état civil. Mais ça se voit! Non, ça ne se voit pas. Aucune trace de maquillage là non plus. Le travail est d'une perfection géniale. Impossible de distinguer le vrai du faux, mon pauvre loup. Mais alors? Matou m'a piqué ma femme. Pour de bon. Oh, Martine! Martine! Ma Martine! Ah, le loup, cessez de hurler! Vous avez une femme illégitime et une maîtresse légitime. Pour le dépanner, vous ne pourriez pas rétablir la vérité sur le registre? Ah, oh, impossible, moi je suis incapable de refaire le travail de Matouzek, je n'ai pas son talent. Alors, c'est vraiment définitif? Vous n'avez qu'un seul moyen de démasquer ce Matouzek, un seul. Comme vous ne pouvez pas prouver qu'il fait des faux, il faut le prendre en flagrant délit en train de falsifier un registre. Inspecteur, commissaire. Allez, le loup, venez prendre un peu l'air, allez. Allez, gros bonhomme. Chef,
chef. Eh ben quoi, mon bonhomme, quoi? Je suis cocu, chef. Tout le monde est cocu aujourd'hui, il faut être dans le vent, le loup. Oui, mais moi je suis cocu, c'est mon acte de mariage. Oh, ben d'accord, vous êtes un cocu administratif. Pas peur. Non, j'ai pas faim. T'en fais pas, petite tête de loup, on te la rendra ta Martine. Et j'ai besoin de vous deux pour ça. Vous ordre, chef. Vous ordre, chef. Je viens d'imaginer un piège diabolique pour coincer Matouzek. Ah. Monsieur le conservateur, Madame Henriot. Mon petit Matouzek. On nous a dit, monsieur Matou, que... Le bruit s'est répandu. Comme une traînée de poudre. C'est moi, monsieur Matou. Je leur ai dit. Enfin, comment vous êtes remarié? C'est que votre méthode nous paraît très intéressante à tous. Et vachement économique. Expéditive, moderne, adaptée au monde d'aujourd'hui. Et vous aimeriez que je vous fasse profiter de ma petite méthode? On compte sur vous. Venez. Qu'avez-vous fait, Flamand? Mais ça m'excite, moi, cette histoire. Vous vous rendez pas compte, falsifier l'état civil. Mais ça peut me valoir la cour d'assises, mon vieux. Vous l'avez bien déjà fait. Oui, pour moi, pas pour les autres. Mais nous devons nous aider les uns les autres. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui risquent la prison pour les autres? Et les révolutionnaires? Ils l'ont bien fait, eux. Mais je ne suis pas révolutionnaire, moi, qu'est-ce que vous allez chercher? Oh, mais je commence à croire le contraire. Mais non. Oh, mais si, mais je vous ai vu faire la mairie, hein? Un calme, un sang-froid. Vous êtes fait pour une vie d'aventure. Bien sûr, ce serait plus exaltant que de rester enfermé ici. Mais aussi, s'il n'y avait pas toutes ces difficultés pour changer de femme. Ces lois, ces avocats, mais, ces tribunaux... Mais tout est devenu obligatoire. L'assurance auto, la sécurité sociale... La cotisation retraite, le permis de chasse... Le permis de conduire, le permis de construire et même le permis d'inhumer. Nous sommes comme des fourmis qui meurent si elles ne respectent pas la loi de la fourmilière. Mais nous ne sommes pas des fourmis. Non, nous sommes des hommes. Et un homme a le droit de risquer sa vie, sa liberté. Aidons nos collègues, Maître Matou. Fonçons. Oui, c'est ça. Fonçons. On va tout faire sauter. T'as bien compris ce que tu dois dire. T'en fais pas, je serai comme ça. Matouzek n'y verra que du feu. Il faut que ça marche. Il faut qu'il te croie, sinon je récupère pas ma femme. Ne t'inquiète pas, petite tête de loulou. Je vais le faire pleurer, ton Matouzek. Tu n'auras jamais rencontré un type aussi malheureux que moi en ménage. Ma vie conjugale est un enfer. C'est ma femme qui m'a obligé à entrer dans la police. Moi, je voulais être jardinier. Mais pourquoi avez-vous obéi à votre femme? J'ai honte de l'avouer, mais elle me terrorise. Son père était commissaire de police. Elle-même, elle ne jure que par la police. Tenez, par exemple, quand je rentre le soir, il faut que je lui raconte tout. Qui j'ai arrêté, où, comment, quand. Ça me donne soif de parler. Vous voulez un petit verre? Ah oui, volontiers. Ça, vous êtes humain, vous, au moins. Tenez, ma femme, elle me pose une canette de bière sous le nez, mais je n'ai pas le droit d'y toucher tant que je n'ai pas fini de raconter ma journée. Vous n'imaginez pas la rombière. Elle m'oblige à m'entonner au pistolet. Au pistolet, vous rendez compte? Il faut faire quelque chose pour lui, Matou. Je ne demande qu'à aider votre ami. Est-ce que votre femme est d'accord pour changer de mari? Oui. Elle a un amant. On a goupillé ça. Mais ce sera facile, alors. Bon. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, mon ami Flamand et moi, nous venons de fonder un mouvement. Une société secrète. Pour aider ceux dont le cas est intéressant. Vous serez des nôtres. Vous serez parmi les membres fondateurs du mouvement. J'accepte de tout cœur. Moi aussi. On va tout faire sauter. Merci pour lui, Matou. Bon, à demain. Allez, viens, Martine. Viens, ma chérie. Réunion demain chez un de nos compagnons, rue Falguière, à l'amicale des Pignoux de Paris. On y sera. À demain. Oh, t'es formidable. Quel comédien tu fais? Ma femme me terrorise, ma femme m'oblige à tirer au pistolet, mais où tu vas chercher tout ça? Il suffit d'avoir de l'imagination, c'est tout. Hop! Raté, trompe, recommence. Hop! Tu vas te tirer dans les pattes si tu fais ça, passe-moi le flingue. Mon père, qui a été commissaire à Barbès pendant 10 ans, s'il avait tiré comme toi, il se serait fait quiller tous les jours. Regarde! Tu vois, il m'a bien formé, mon père. Et puis moi, je vais te faire rentrer le métier dans les tripes. Allez, recommence. Ah non, non, Paulette, je suis vanné. Oh, bon, d'accord, bois ta canette. Alors comme ça, cher d'apport. Oui, on a persuadé Matouzek que tu aimes un autre homme, que tu veux te remarier. Et qui c'est le gars pour qui j'en pince? Ben, ça, je ne peux rien te dire pour éviter les fuites. C'est bon, je vais me mettre à table. Chacun a bien compris son rôle. Oui, chef. Ça me met en train, ce genre de musique. Ça change un peu des guitares électriques.
Papin, t'es pas venu ici pour faire le guignol. Bon, ça va. Pousse-toi de là, petit mec. Chef, c'est des petits marrants, les Bretons, hein? J'aurais préféré être ici en dehors du service. Une touche. Vachement gironde, la Bretonne. Mon désir est que chacun puisse se remarier suivant sa convenance. En supprimant le divorce, les ennuis administratifs et les frais qu'ils comportent, je rends le bonheur conjugal accessible aux plus déshérités. Et voici Martine, Martine, ma nouvelle épouse, la première à avoir montré le chemin à toutes les femmes de France. Et voici l'ancien mari de ma nouvelle femme, l'homme qui n'a pas reculé devant les dangers de cette nouvelle expérience. Et qui vous fait de la réclame. D'ailleurs, j'ai amené des amis tout prêts à nous imiter. Confidentiellement, je dois vous dire que mon ami est policier. Oui. Eux aussi, d'ailleurs, notre chef bien-aimé, le commissaire Rudel. Bravo. L'inspecteur Papin et madame. C'est merveilleux, compagnons, mes chers compagnons. Notre mouvement devra son impulsion, premièrement, à mes amis de la Bibliothèque nationale. Qui sont tous au service de l'esprit. Et à ces policiers compétents. Qui sont au service de la force. Mes compagnons, mes chers compagnons de la Marguerite. L'avenir est à nous. Pour échanger, il faut l'accord du conjoint. Mais c'est indispensable. Nous ne sommes pas au Ballet Rose ici. Flamand, veuillez informer monsieur de l'esprit de notre mouvement. Je vais l'en informer, Matou. Il n'y aura pas de malentendu. J'ai à cœur de ne pas favoriser les abus. Tout le monde doit être d'accord. Et c'est bien normal. Au fait, commissaire, qu'en pense votre femme? Ah, elle ne pense plus. Je suis veuf. Ah, ben c'est très simple. Je vous remarie avec madame. Et moi? Vous devenez veuf. Vous avez l'intention de le marier avec ma défunte femme? Sur le registre de mariage seulement. Ah bon? Eh bien, maintenant, je vais m'occuper de vous deux, puisque vous êtes d'accord. Merci. Papa vous accompagnera. Oh, c'est inutile. Mais si, avec sa carte de police, tout sera plus simple. Puisque vous y tenez, ça vous fera une petite balade. Ta dernière balade, Matou. Bientôt redevenir ma femme, sous poil, non? Et qu'est-ce qu'elle a, chef? Mais c'est une femme, mon bonhomme. Toutes ces violences policières la bouleversent. Hein, je comprends votre émotion, madame. Permettez-moi de vous remercier encore de votre collaboration. Donnez-vous la peine, messieurs, c'est par là. Rudel n'est plus veuf. Je devrais vous arrêter, Matouzek. Farceur. Oh. Faites vite, Matou. Faites vite, faites vite. Une minute. Un bonbon? Non. Voilà. Rudel est marié avec votre femme. Merci. Merci, merci, Matou. Je vous dois la liberté. Attendez. Rudel est marié avec votre femme. Mais vous, vous êtes encore marié avec elle. Il va falloir arranger ça par la mairie de votre mariage. Mais c'est impossible, enfin. Ils vont vous boucler. Mais qui? Mais... Non, mais écoutez, mais toujours, je suis plus attention. Si papa n'envoie pas le signal d'ici une minute, moi je fonce et je casse tout. Oh, grognez pas comme ça. Non. Ah, ils m'ont mené en bateau. Très bien. J'abandonne. Débrouillez-vous avec vos collègues, papa. Oh non, Matou, Matou, non, non. Non, continuez pour moi. Je ne veux pas retourner chez ma femme. Mon pauvre vieux. N'allez pas me laisser dans la merde. Je vous en supplie. Je vous ai tout avoué, moi. Mais vous, vous êtes un type loyal, papa. Mais c'est de là, cette paire de vaches devant comprendre. Bon Dieu, je vais tout faire sauter. Écoutez-moi. Je vais faire une histoire qui va être une histoire...
Allez, je vous tombe, donc c'est un ordre. Un policier obéit à son chef. Et un cocu, il obéit à qui, un cocu, hein? Matou! Au nom de la loi, je t'arrête. Eh bien quoi, Maurice? Qu'est-ce qui vous arrive? Idiot, sinistre idiot. Tu as tout fait rater. Rater? C'est raté? Matouzek n'a pas commencé à travailler. Mais alors le flagrant délit? Vous pouvez vous l'accrocher, félicitations! Mais Gallon... Vous voulez faire coudre par Martine. Elle s'est payée ma tête, comme vous. Je voulais rendre tout le monde heureux, moi. Ah, vous ne valez pas cher. On ne jongle pas avec le cœur des gens. Ils vous ont pas arrêté? Non, madame, votre petit complot a échoué. Martine! Martine, reviens ici! Mariée ou pas, tu es ma femme! Martine, sinon de Dieu! Tu veux que j'aille te chercher? N'approche pas, Maurice. Matou! Attendez-moi! Ah non! Ah non, ça, tu me frappes pas cocu deux fois, salope! Quel vocabulaire! Laisse-moi! Tu ne m'as jamais aimée. Jamais comprise. Jamais rien. Matou! Martine, lâchez-moi! Lâchez-moi! Je souffrais des tripes! Cessez ce scandale, le loup! S'exhiber comme ça sur la voie publique! Cassez-moi! Martine! Je te crèverai, Matou! Mais enfin, le loup, nom de Dieu, surveillez vos expressions! Je te crèverai, Matou! Le loup, enfin! On nous écoute, sacré mais, bordel! Ne laissez pas partir! Mais merde! Il fout le camp avec mes papiers! Avec mon livret de mariage! Oui, non, mais vous les aurez, vos papiers, chef! Je vous le promets! Alors, tout s'est bien passé. J'ai fait le guet. Je suis veuf. Veuf! Condoléances. Ça y est, vous l'avez arrêté? Il est au trou? Il est libre, et moi aussi. Voilà. Bah, qu'est-ce que t'as fait de ton costume à rayures? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de croque-mort? Je suis veuf. Tiens. Lis, documente-toi un peu. La défunte Madame Rudel est devenue la défunte Madame Papin. Dieu est son âme. Ben et moi, qu'est-ce que je suis devenue? Madame Rudel, voici ta nouvelle adresse. Je ne bouge pas d'ici. Tu crois que moi, un veuf honnête, je vais vivre avec la femme de mon patron? Tu crois que je vais commettre l'adultère, cette chose abominable? Ce défi à la légalité et à l'administration? Allô? Allô, allô, ici l'inspecteur Papin de la PJ. Brigade des us et coutumes, section B. Service des délits sexuels et assimilés. Envoyez-moi un petit panier à salade. Oui, oui, chez moi. Tu vas me faire expulser Manu Militari. Vous allez voir ça, madame. Allô? Allô, oui? Tiens, encore une hystérique. Et dites donc, commissaire, à vos collègues, ils sont pas discrets. Je voudrais vous y voir. C'est vous le commissaire Rudel? Ah oui, c'est moi. On vous la ramène, discrètement. Ben, votre femme. La femme, vous l'avez déterrée? Déterrée? J'ai l'air d'un macabé, moi. Ça va pas, commissaire? Ben, si vous voulez, on peut vous la débarquer à Sainte-Anne. C'est trop fort pour vous, barrez-vous. Oh, et puis faites-moi rentrer tous ces cons-là chez eux. Ouais. Allez, allez, hop, allez, 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 allez. Vous avez pas l'intention de rester ici? C'est chez moi ici, le domicile conjugal. Tiens. Il m'a fait ça, papa. Il m'a fait sa femme. Mais c'est pas possible, bon Dieu, mais... Oh non, ma petite bonhomme! Oh, allez, allez! Ce qui est fait est fait, au pieu. Ah, vous allez pas dormir dans mon lit! Donne-moi un pyjama. Ah non, pas mes pyjamas. Alors, je dors à poil. Oh non, pas ça. Tiens. De la part de papa. Ah, mais j'ai du viol. Ah, mais qu'est-ce que t'as des petites mains? Non. T'as une main de femme. Pas d'alliance. T'as déjà vu un homme marié qui a pas d'alliance, toi? Tu penses déjà à te tromper, hein, mon cochon? Oh, non, pas... T'es pas de permanence, cette nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es en noir? Je viens de perdre ma femme, c'est atroce. Quand? On ne savait pas. Condoléances, pauvre vieux. Quelle femme brutale. Allez, n'en parlons plus. C'est la vie, ce qui compte, c'est le boulot. Voilà un témoin qui vient déposer contre Matouzek. Chapeau, papin, t'es un vrai dur. Allez, par ici. Je pensais à des positions, j'allais sur le bureau du patron.
Voilà votre dossier de l'identité judiciaire, tout est là. Très bien. Comme ça, ils ne pourront pas diffuser ma photo ni contrôler mes empreintes digitales. Et vous serez tranquille pour travailler dans les mairies. Maintenant, il n'y a que les collègues qui peuvent vous reconnaître. Et encore faudra-t-il qu'ils me prennent en flagrant délit. Ah oui, ça évidemment. Il y a quand même 35 000 mairies en France. Mais ils ne peuvent pas être partout. Mais remarquez, ils peuvent vous filer. Ouais. Mais demain, je prendrai mes dispositions. Les compagnons m'aideront. Allô ? Oui, qui est le patron ? C'est Rudel. Oui, Rudel. Bonjour, patron. Ici Papin. Oui ? Ça va, les amours ? C'est sa petite femme Paulette. Oh, là, 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 allô, là, oui ? Bah, dis donc à ton mari que je lui donne ma démission. Oui ? Venez, Papin, on les aura. Ah, s'il croit qu'il va nous échapper comme ça, il se gourme, Matouzek. Faites tirer sa photo à 35 000 exemplaires et envoyez-la dans toutes les mairies de France. Bien, chef. Ah, elle est vide, chef. Et regardez, une marguerite. On l'aura quand même. On l'aura. Vite dit, inspecteur Leloup, votre optimisme est prématuré. On s'est retiré dans une petite baraque au fond des bois. Ce n'est pas là que vous viendrez nous chercher. Matou et notre petite Martine y vivent leur lune de miel. Olé, olé. Moi, du genre plus sérieux, je classe les livrets de mariage dont Matou doit s'occuper. Du travail impeccable. Je range par département, arrondissement et canton. Ça simplifie. Papin, lui, respire enfin. Entre deux missions, il jardine. Ça a toujours été son rêve, les fleurs. Le père de l'oncle passe tous ses week-ends à la maison. Mais chaque fois, il ramène de nouvelles recrues. Salut, Papin. Bonjour, compagnon. Voilà deux nouvelles recrues. Le grand-père et le petit-fils. Eh oui, je repars à zéro. Merci. Notre mouvement part en flèche. Les compagnons de la Marguerite foncent. Hommes, femmes, jeunes, vieux, ça recrute autour de soi, mais discrètement, de bouche à oreille. Mais Matou n'accepte pas de travailler pour n'importe qui. Si c'est louche, il refuse. Quand il flaire une simple petite bouderie, un léger malentendu, il a les mots pour réconcilier. Ce que nous cachons tous à ce grand cœur, c'est la misère dans laquelle il a plongé les avocats. Plus de procès, plus de beefsteak. Les policiers sont mieux nourris, ça leur permet de ruminer leur rage. Ils cherchent une piste, eh bien qu'ils cherchent, que la douceur du lit conjugal les inspire. Maître Matou, Romain Desbois. Maître Matou, pour vous servir. Dieu vous garde. Maître Matou, voici mes fils. Ce sont de fort solides gaillards, félicitations. Ces deux gars-là, ce sont mes fils légitimes, je les ai eus dans le mariage. Les bien-pensants n'ont rien à dire. Quand le bien-pensant parle, on entend l'âne qui braie, disait Saint-Louis, roi de France. Ces deux-là, de sacrés lurons, je les ai eus hors mariage. Leur mère était une fort jolie petite femme, bien ronde et bien potelée. J'aime mes fils d'un même amour, Maître Matou. Mais ceux-ci portent mon nom. Ils ont droit à tous les avantages de la société. Tandis que ceux-là sont de pères inconnus et n'ont droit à rien. J'ai aimé ces deux femmes avec la même passion. Pourquoi faut-il que les enfants de l'une soient désavantagés par rapport aux enfants de l'autre? Je vais réparer cette injustice. Voici leur papier. Comptez sur moi. Dieu vous garde. Au galop! Maître Matou, mon père est fou. Il veut donner une part d'héritage à ces deux bâtards. Que les idées étroites, tu n'es pas dans le vent. Allez, va-t'en, j'ai du travail. Vous agissez en bon citoyen. Pour moi, la loi, c'est la loi. Vous parlez comme un juriste. Je fais Sciences Po, je suis un futur technocrate. Et pour moi, on ne fait pas assez de loi. Il a raison, faut tout interdire. Quand personne ne pourra plus rien faire sans l'autorisation spéciale de l'administration, alors nous pourrons dire que la France est un pays bien administré. Pour le moment, la loi sert surtout à empêcher les enfants illégitimes de votre père de toucher leur part de fric. Où sont nés vos demi-frères ? À Saint-Léger, dans l'Aveyron. C'est là que cette femme a enregistré ses bâtards. Bon, on y sera. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. Ça sert à quelque chose, les mouchards, chef. Il y a des moments où je me demande si j'ai raison. Bah pourquoi, chef ? On va arrêter Matou. Bien sûr, on va arrêter Matou. Enfin. Le devoir, c'est le devoir. Et la loi, c'est la loi. Je te crèverai, Matou ! Voilà les livrets de mariage des compagnons du Massif Central et des Alpes. Les mairies sont groupées par circonscription ? Bien sûr, ça vous fera des itinéraires plus courts. Tiens, voilà, papa, il est à l'heure au rendez-vous. Hein?
Voilà des dossiers de compagnons du nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes. Bon, il y en a combien? De 67 groupés par district. Bon, je me sauve. J'ai tout Lyon à faire dans la semaine qui vient, avec la banlieue. N'oubliez pas, mairie de Gravelines, mardi 18. Je note. Bon, moi aussi je me casse parce que je dois filer à Metz et Nancy. La semaine prochaine à Gravelines. Mardi 18 à la mairie. Hein? Au travail. Matou! Matou! Attention! Rentre! Vole les poulets, Matou! On va le prendre au piège, ton Matou! Il ne sait pas ce qu'il attend à l'intérieur! Hey, attention, Matou! Matou! Matou, les poulets! Voilà, c'est ici, messieurs, dames. Il est drôlement nerveux, hein? C'est bizarre, non? Rien. Moi, je crois qu'on se fait des idées, tu sais. En tout cas, je vais faire le guet devant la porte. Va vite. Mais je vais foutre le feu à la baraque, moi, ici. Rendez-vous la semaine prochaine avec Matouzek devant la mairie de Gravelines. Je crèverai ton Matou. Attends un peu, on va te faire ta fête. Je vais aller en prison. Vous allez rire. C'est trop beau pour vous, la prison. Ça, je veux pas rester avec vous. Je veux qu'on m'enferme chez les gendarmes. Les gendarmes, ils te soigneraient trop bien. Attends un peu, on va te soigner. Je te les grillerai les fesses. On va vous emmener dans un endroit à nous. Un petit coin tranquille que je connais. Et je vous promets un gardien sérieux. Enchaînez-le. Je m'occuperai de lui. Je vous le confie. Je sais à qui je m'adresse. Il doit savoir des choses. Je vais le faire causer. Je ne sais rien. Mais allons, mes bons hommes. Nous devons mettre au point notre rendez-vous avec Matouzek. Ma petite Paulette, tu ne vas pas me faire des misères. Tu te souviens de notre jeunesse, de nos amours. Tu étais si gentille. T'as attendu aujourd'hui pour me faire la cour? Tu as changé, je trouve. Tu es belle. Si belle. Tu vas te taire, couillon. Rien à signaler? Rien. Il viendra. Astucieux, cette caméra. Oui, je l'ai planquée dans des dossiers, et comme ça, j'ai rendu invisible et insonore. Matouzek va fouiller partout pour nous trouver, mais ça, jamais il ne pourra le découvrir. Vous êtes sûr que ça va fonctionner? Absolument, j'ai déjà essayé dans des grands magasins, dans des bijouteries, ça marche toujours. Oui, il n'y a pas de pépins à craindre. Non, 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 d'ailleurs, asseyez-vous, vous verrez bien. Non, je ne peux pas m'asseoir parce que je... J'y vais, moi. Voilà, commissaire.
Vous allez voir. Vous asseyez, ça marche, vous vous levez, ça s'arrête. Et s'il déplace sa chaise, Matou? Ah, ben la chaise, on va la visser au plancher, comme ça il ne pourra pas se dégager du champ de la caméra. Parfait, mais n'en parlez à personne surtout. Gare aux fuites. Bien entendu, secret absolu, c'est entre vous et moi. Nous, on va se préparer. Faut pas qu'il nous reconnaisse, surtout. Oui, nous, on cueillera à la sortie. C'est dans la poche, mon bonhomme. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Méfiants, ils ont peur qu'on emporte les chaises. Je suis heureuse, Matou. Va vite faire le guet, mon chéri. Vite. Allez, allez, faites vos jeux. D'accord. Et la bande au suturé, un peu à droite. Allez, monsieur le préfet, sur la gauche. Et les mangeurs de frites, en place! C'est marrant ces kermesses de province. On se tape un cornet de frites? Arrêtez, Matouzek! Vous êtes fait! Vous avez été filmé pendant vos occupations! C'est un jeu télévisé? Oui, oui, la caméra invisible! Où elle est, la caméra? Elle est là! Où ça? Matouzek! Au nom de la loi! Je vous arrête pour faux et usage de faux. Là-bas, mais arrêtez-les. Non, c'est eux là-bas qu'il faut arrêter. Arrêtez-le. Mais arrêtez-les. Arrêtez-le. Ah, mais c'est moi le chef. C'est moi le chef. Vous êtes les La télévision offre une prime à ceux qui arrêteront ce coup. Là, Matouzek. Le jeu est terminé. Je vous écoute, messieurs. Je vous arrête, Matouzek. Qu'est-ce qu'on me reproche? Ils veulent voir la caméra, ce qu'elle te reproche. Allez, hop, emmenez-le. Ma détention est illégale. Vous n'avez aucun mandat d'arrêt. Oui, messieurs oui. du parquet, si vous voulez bien prendre place... Allez, envoyez le film. Et ça, monsieur le juge, c'est moi. C'était pour les essais. Tiens, Béranger, c'est le chef comptable. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Vous auriez pu le prévenir. Vous m'aviez demandé le secret. Ça y est, il s'en va. Mais c'est mon adjoint. Mais c'est ma femme. Mais, commissaire, mais c'est du cinéma porno. Mais la recherche de la vérité, monsieur le juge. Matou, voilà Matou. Matou. Voilà notre preuve. Eh ben, la suite, la preuve, le fond. C'est fini, il n'y a plus rien. Comment c'est fini? Ben, il n'y a plus de pellicule. De quoi vouliez-vous apporter la preuve, commissaire? Commissaire, c'est un scandale. J'en référerai à vos supérieurs, commissaire Brudel. Monsieur, excusez-nous, monsieur.
Merci, messieurs, pour cette séance récréative. Il est midi et demi, tous les Français sont à table. Pas tous, regarde. Soyez discrets. Viens vite. Que vous foutez dans mon jardin, vous deux? Oh, vous avez une bonne tête, vous. C'est possible que j'ai une bonne balle, ouais. Vous êtes un artiste, non? Ah, ouais, ouais, je fais de la poterie, comme vous voyez. Dites-moi, je suis un hors-la-loi. Ah, ben moi aussi, je suis un hors-la-loi. Enchanté. Ah, enchanté. On a la police au derrière. La police au derrière? Moi, j'ai tous les voisins sur le dos. Coucou. Oh, c'est occupé. Ils établissent une tête de pont. Une tête de lard, oui. Allez, je vais vous sortir de là. Venez boire un pot. Surveillez-les. Bon, prenons position aux quatre coins de la rue. Job et le loup là-bas au bout. Bon. Émile et Mouche à bœuf là, ici. Et moi, là, voilà. Mais ouais, mes compagnes. Elles vivent ici, toutes ensemble. Ça rit, ça chante, ça travaille. Il faut dire que Victor est un gars terrible. On n'accepterait pas cette situation avec n'importe quel homme. On préfère vivre toutes ensemble avec un type très bien, plutôt que chacune séparément avec un homme moins bien. L'ennui, c'est les voisins. Ils n'arrêtent pas de me faire des réflexions désagréables. Ils sont à cheval sur les principes. C'est comme pour moi, que d'ennui parce que je ne fais pas comme tout le monde. Racontez-moi ça. Ils boivent un pot là-bas. Refilez-moi à bouffer, mon Dieu. Qu'est-ce que vous foutez devant mon magasin depuis une heure? Police, soyez discret, rentrez dans votre boutique. Oui. Qu'est-ce que je vous sers, inspecteur? On ne lance pas pendant le service. Mais qu'est-ce que vous avez là? Là, et là, et ça. Bon, qu'est-ce que je vous dois? Puisque vous remariez les gens, vous pourriez peut-être nous marier toutes les trois avec Victor. Oh oui. Ce serait bien pour elle. Le mariage rend les gens respectables. Mais il n'y a pas besoin de mariage pour rendre les gens respectables. Il n'y a pas de femme plus sérieuse que les miennes. Monsieur a des maîtresses, mais il ne les cache pas comme les autres gens. Mais non, les hommes sont honteux d'avoir des maîtresses, mais moi j'en suis fier, je les montre. Évidemment, quand elles sont sérieuses, on devra avoir le droit d'épouser plusieurs femmes. Mm. C'est les lois qui encouragent toute cette hypocrisie. On est en pleine période d'abondance et on a droit qu'à une femme. Mais ça va changer. Mon travail, ma mission, c'est de faire comprendre à mes contemporains qu'ils vivent toujours comme des êtres préhistoriques. Allez, allez, on va vous sortir de là. Alerte! 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 Allez. Et le voilà! Oh, attention! Ils sortent, ils s'en vont! Ils vont jamais foutre le camp! Mais suivons-les, bon Dieu! Allez! Mais là! Allez, enchaîne, mes bons hommes, enchaîne! Allez-y, chef! Du nerf, du jarret! C'est ça, le loup. Du nerf. On les aura! Mais comment allez-vous faire pour me marier avec mes trois femmes? La loi en France interdit la polygamie. C'est un cas tout à fait nouveau pour moi, mais ça m'ouvre des horizons insoupçonnés. J'en peux plus, moi. Je sais pas monter un vélo, moi. Non, mais j'en descends, j'en descends. Arrêtez-les! Police! Arrêtez-vous! Arrêtez-moi! Arrêtez-moi! Oh, je vais casser la gueule! Maman! Un de moins. Arrêtez-moi! Arrêtez-moi! Maman! Ah!
Il ne paie rien pour attendre, chef. On va les retrouver, Papin. Je suis sûr que ma femme a su le faire parler. Hé hey! Hé hey, oh! Mais Paulette, c'est nous! Ça répond toujours pas, chef. Mon Dieu. J'espère qu'elle n'aura pas tué Papin. Oh! Hé hey, oh! Paulette! Poussez pas! Il m'a eu. Il m'a séduite. Il m'a dit des choses comme jamais j'en avais entendu. Il vous a séduite? Il a abusé de vous? J'ai succombé. Vous m'avez trompé? Je suis un homme trompé, Leloup. Eh oui, chef. Cocu comme moi. Ma pauvre femme. Ça me fait un coup. Allez, remettez-vous. On a l'habitude maintenant. Jamais je n'ai trouvé de champagne aussi bon. Il a le goût de la liberté. Qu'est-ce qui ne va pas, Matou? Rien. Va t'amuser. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse? Des ennuis, maître Matou? Non. Je les ai rendus heureux, ceux-là, et je me demande si je pourrais continuer. Toutes ces émotions dont on est fatigué, sans doute. C'est pas ça. Mais vous oubliez que j'ai été filmé à la mairie. Mais c'est vrai. Ils peuvent tirer des photos de ce film. Des photos? Mais ils vont les diffuser dans toutes les mairies de France. Tu ne peux pas continuer, Matou. Tu seras tout de suite reconnu. Arrêtez. Si, il faut que je continue. À mort! À mort! Ah, Matou, tu peux rigoler, va. Je crèverai, vieille charogne. Du calme, Leloup, du calme. Oh, qu'est-ce que vous voulez, chef? Voilà 3 mois qu'on diffuse sa photo dans toutes les mairies de France et de Navarre. Qu'est-ce que ça a donné, hein? Mais ça l'a peut-être amené à renoncer. Non, il continue, je le sais, je le sens. Et si Matouzek continue, le nombre de divorces officiels doit diminuer. Et il y a une corporation qui doit le sentir passer. Une corporation? Laquelle? Et celle des avocats, hein? Mais ce sont les premières victimes de Matouzek après nous. Mais alors, chef, j'ai une idée. On pourrait interroger les avocats. Venez. On va aller voir Maître Loustiquet, c'est un vieil ami à moi. Maître Loustiquet, voilà 8 mois que j'attends d'être débarrassé de ma femme, voilà 8 mois que mon divorce traîne, et alors maintenant, j'en ai marre. Mais Maître Castard, je fais pour le mieux, patience. Pour tirer l'affaire, mon vieux, j'ai trouvé un moyen plus rapide et plus économique pour divorcer. Mais Castard, vous n'allez pas me faire ça, vous n'allez pas me mettre sur la paille, vous êtes mon dernier client. J'en ai assez d'attendre. Bonjour. Bonjour, maître. Oh, quel malheur, monsieur le commissaire. Mon confrère vient de me retirer ma dernière affaire. Mais enfin, pourquoi cette épidémie? Et nous sommes sur l'affaire, justement. L'affaire du siècle. Nous avons besoin de vous. Votre confrère vient de vous retirer son affaire, mais pouvez-vous nous dire dans quelle mairie il s'est marié? À la mairie de Montval, pourquoi? Matou sera à Montval, chef. Nous aussi. Courage, maître. Nous sommes là. Vous croyez qu'il faut que je me livre à toute cette mascarade? C'est une consigne de maître Matou, compagnon. Matou! Pareil, compagnon? Pareil. Allez, en route. Allez, en route. C'est pour la panne. On vous a prévenu qu'on passerait aujourd'hui. Peut-être, oui. T'as l'air vachement renseigné sur ce qui se passe dans ta maison. Pas bien dégourdi, va. J'en ai marre, chef, de faire l'huissier. Je viens de me faire traiter de crétin par un gars de l'EDF. Et moi, tu crois que ça m'amuse de faire la mariée depuis une semaine? Mais allons, mes bons hommes, allons, patience. Matouzek finira bien par venir dans cette mairie. Et vous? Mais retournez à votre poste. T'es en noir. Bon. Hé, Polon, c'est gouré, c'est pas du 220. Envoie-moi ça. Je te passe le 110.
vachement équipé à l'EDF. Vachement, hein? Mais Émile, mouche à bœuf, mais voulez-vous rentrer, vilain bonhomme? Ils vont finir par se faire repérer. À tout! Mais un peu de tenue, le loup. Non, une jeune mariée ne tape pas la belote. Commence à avoir l'allant, moi. Bon, ben, je vais aller chercher les casse-croûtes. Moi, on risque pas de me repérer, et puis j'ai envie de... Allez, joue, Job. Tiens, il pleut. Oh, tous mes vœux de bonheur. Flagrant délit, Matou. Maurice. Alerte. Sauvez-vous. Matou, Matou. On remet leur juste en place. Sauvez-vous. Arrêtez. Non, mais arrêtez-les. Bonheur, monsieur. Compagnon Gastard, puisque vous êtes le seul parmi nous qui êtes avocat, c'est vous qui aurez l'honneur d'assurer la défense de votre cher prisonnier. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Dès demain, j'irai le voir dans sa cellule. Allah soit avec toi, Gastard. L'accusation n'a qu'une arme contre vous, le témoignage de Leloup. Il sera accablant, il m'a pris en flagrant délit. Une seule riposte possible, l'empêcher de déposer au tribunal. Oui, mais comment? On peut le kidnapper. On le bouclera quelque part. Pas de violence, je m'y refuse absolument. Ces procédés sont indignes de nous. Il faut trouver un moyen. Mais oui. Mais oui, ça crève les yeux. Je vais vous confier une mission très délicate. Cette nuit, avec quelques compagnons. Quel coup de main, papin! Pas été flic pendant 20 ans pour des prunes. J'en ai pour 2-3 minutes. Le procès de Georges Matouzek, dit Matou, le falsificateur de l'état civil, s'ouvrira demain. Pauvre vieux Matou. Les observateurs du monde entier assisteront au déroulement du procès. Cet ennemi de la société aura le châtiment qu'il mérite. Faites entrer le témoin de l'accusation. Vos noms, prénoms, âge et profession? Leloup, Maurice, 36 ans. Officier de police à la brigade des us et coutumes. Juré de parler sans haine et sans crainte. Dire toute la vérité, rien que la vérité le vint à la main droite. Dites, je le jure. Je le jure. Baissez la main. Inspecteur Leloup, dites comment vous avez connu l'accusé et comment vous l'avez pris en flagrant délit. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai rencontré le dénommé Matouzek sur une tour de Notre-Dame, dans le but d'échanger ma femme contre la sienne. Vous dites? Aussitôt dit, aussitôt fait. Malheureusement, ayant volé un taxi, je fus momentanément emprisonné. Témoin à passé chargé. À ma sortie du commissariat, je me suis retrouvé marié avec la femme à Matou. Alors mon chef, le commissaire Rudel, a contre-attaqué aussi sec. Il s'est retrouvé marié avec la femme à Papin, un collègue qui a trahi pour devenir veuf à la place du chef.
vu que le commissaire, qui avait perdu la sienne, n'avait plus de femme à échanger. Alors Papin a épousé la défunte femme de mon patron, parce que Matou nous avait fait à tous le coup des registres. Au fait. Oui, j'y arrive. Donc, j'étais allé chercher des gamelles de veau maringot et de l'île de rouge pour les collègues. On était à la mairie de Montval, où on savait que Matou allait venir faire un coup. Moi, j'avais une petite robe blanche, très simple, jolie, la dentelle, le voile, le jeune marié, quoi. Et j'ai eu envie de... Hein? Alors, je me suis approché d'un camion de l'EDF, et juste comme j'allais retrousser ma robe... Qu'est-ce que je vois? Matou! C'était le flagrant délit. La parole est à la défense. Monsieur le Président, auriez-vous l'obligeance de faire préciser à nouveau au témoin son identité? Ce témoin répondait à l'arquette de la défense. Je m'appelle Leloup Maurice. Je suis né le 15 août 1930... à Besançon, dans le Doubs. C'est pour Monsieur le Président. La Cour appréciera. J'ai sous les yeux certificat d'état civil de la mairie de Besançon. Il y est dit que ces registres ne mentionnent nulle part la naissance d'un Leloup Maurice. Vous usurpez votre identité? Non, je suis né à Besançon. Quelle est votre véritable identité? J'ai pas d'autre identité, je m'appelle Leloup Maurice, Leloup. Alors légalement, vous n'existez pas. Mais si j'existe, je m'appelle Leloup Maurice, j'ai 36 ans, je pèse 87 kilos, j'existe. Mais non, Leloup, aucun état civil ne mentionne votre existence, Leloup. Vous n'existez pas. N'existez pas. Si je suis né à Besançon, dans le Doubs. En l'absence d'un témoin pourvu d'existence légale, après en avoir délibéré, le tribunal prononce l'élargissement de l'accusé. Matouzek, vous êtes libre. Acquitté, la conscience tranquille, Matou continue sa mission. Sur nos conseils, il travaille la nuit pour être plus au calme et aussi plus en sécurité, on ne sait jamais. Mais un fidèle compagnon le suit pas à pas. Je ne crois pas pour ma part que ce soit le fantôme de l'inspecteur Leloup privé d'existence légale, non. Je croirais plutôt à une dernière ruse de la police. L'inspecteur Leloup n'est probablement animé d'aucun esprit de vengeance. Sans doute lui aussi a-t-il une mission, surprendre Maître Matou en flagrant délit et le traîner devant les tribunaux. Leloup prie pour que ce jour arrive, Matou prie pour qu'il n'arrive pas, à chacun son devoir. Thank you.